Aussi, explique-moi un peu comment tu fais pour être inspiré comme ça. Il n'y a pas de moyen pour moi d'expliquer cela. C'est aussi ce que tu vas dire à l'interview. Ah, tu es venu avec ton ami. Toi, comment je t'appelle déjà? Didier Zoumanto. Qu'est-ce qu'il y a puis? Oh, certainement tu as fait le mauvais choix, c'est tout. Parfois les mauvais choix tiennent les bons résultats. Attends, mais je t'ai pas parlé. On t'a branché. Ok, Didier Zoumanto. Les gars ont grandi ici dehors. J'appelle Kossi, il me répond. Il met des mics. J'appelle Loco, lui il me répond. Dis-moi. J'appelle Mings, il me répond. Yeah. Les gens m'ont encore dit que je veux. J'appelle Ténor, le gars me répond. Et ça, le fiang, le ouel, y'a moi. J'appelle Daphné, elle me répond. Oh, papi. J'appelle Dadju, le gars me répond. J'appelle Maître Gims, il me répond. Allô? Oh là là là. L'artiste. Ok, vraiment, je voulais que tu me donnes quelques conseils parce que ça fait un bail que tu ne nous as pas conseillé. Est-ce que on peut écouter tes conseils? Mon enfant, retiens cette leçon et dans ta vie, fais un bon usage. L'être humain est un voyage et divers, mais tu es tenu. Ne réveille jamais le fantôme, parce que s'il est éveillé, tu n'auras plus jamais le sommeil. Et surtout, ne dessine pas le diable sur le mur, car il finira par habiter toute la maison.